mois sans accouchement à la maternité du CHU de Yopougon, fermée pour réhabilitation. Ce 14 mai, c'est le début des préinscriptions en ligne pour les candidats au bac. Et puis au Tchad, accueil chaleureux réservé au premier contingent de soldats qui rentrent au pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le service gynécologique et la salle d'accouchement du CHU de Yopougon sont fermés depuis hier. La raison, ces services ne se portent pas du tout bien. Alors, fermeture des lieux pour 2 mois, histoire de les réhabiliter. Et en attendant, délocalisation des services à l'hôpital général de Yopougon-Atié, qui a d'ailleurs reçu ce matin des kits d'accouchement et de césarienne. Michel Mambo nous en parle. Une toiture rongée par la rouille. Des murs fissurés entraînant des infiltrations d'eau, des salles à peine éclairées. Le bloc obstétrical du CHU de Yopougon présente un visage pâle. Vieux de 23 ans, l'établissement n'a jamais vraiment bénéficié de travaux de réhabilitation. Une situation à laquelle veut remédier le ministère de la Santé. Il décide alors de sa fermeture depuis ce lundi 13 mai. La décision, rentrée en vigueur, occasionne quelques grincements de dents. Ça ne nous arrange pas. Parce que quand tu viens au CHU, là, les gens prennent soin de toi. Mais quand c'est les autres hôpitaux, là, on te maltraite. J'imagine un peu celles qui sont aux alentours. Elles sont obligées d'aller très loin pour recevoir les soins. Et imaginez-vous si une femme est vraiment en travail de manière urgente. Encore 2 mois avant la réouverture du bloc. En attendant, les activités des services concernés, à savoir la salle d'accouchement, le bloc opératoire, le service de néonatalogie, sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon-Ati. Nous avons donc aménagé 2 blocs opératoires. Nous avons également installé pour la néonatale 3 couveuses et 3 berceaux. Et nous avons également déplacé l'équipe spécialisée en accouchement sur Yopougon-Ati. Comme nous l'avons annoncé à la population, Yopougon-Atié est fonctionnel. Et pour joindre l'acte à la parole, remise de kit d'accouchement et de césarienne à l'hôpital. Nous venons de livrer à Yopougon-Atié 600 kits d'accouchement, 100 kits de césarienne et 100 kits d'anesthésie. Et c'est ce qui va se passer dans presque tout le pays. Chaque fois que nous apportons une réhabilitation dans un établissement sanitaire, cela nous permet en même temps de renforcer une autre structure sanitaire. Notons que cette fermeture ne concerne pas le service de gynécologie obstétrique du CHU de Yopougon. Il reste ouvert pour les consultations et autres hospitalisations de la spécialité. Parlant de santé, eh bien c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'hypertension artérielle, une maladie qui touche plus d'un adulte sur 3 dans le monde, et cela à partir de l'âge de 25 ans. Et c'est en Afrique que la prévalence de l'hypertension est la plus élevée, soit 46% des adultes. L'hypertension artérielle accroît le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Des affections qui réunies constituent la première cause de décès prématuré et de handicap dans le monde. C'est parti pour les préinscriptions en ligne. Elles concernent les candidats au bac qui devront se soumettre à ce procédé pour leur entrée dans les grandes écoles ou les universités. Les détails avec Amikanga. C'est aujourd'hui, mardi 14 mai, que démarre la phase de préinscription des candidats au baccalauréat dans les grandes écoles et universités publiques et à l'Institut national polytechnique Oufouet Boigny de Yamoussoukro. La préinscription se fait en ligne et elle est gratuite. C'est bon pour nous qui bientôt allons avoir le bac et partir dans la vie étudiantine. Parce qu'on remarque que quand il y a les inscriptions où tous les élèves qui ont eu le bac vont s'inscrire à l'université, il y a tellement d'élèves qui sont amenés à s'inscrire. Donc ça fait qu'on a toujours de longues files, on ne sait pas comment s'arranger. Au sujet du prix, on nous avait dit ici que ça coûtait 10 000 pour s'inscrire dans les différentes universités. Donc, si c'est gratuit et tout, c'est une bonne chose. Le directeur général de l'enseignement supérieur rassure les élèves sur la fiabilité de cette opération. L'opération 2012 a été un succès parce que ça nous a permis de voir un peu l'éventail de la formation que désirait la population ivoirienne et ça nous a permis alors d'orienter convenablement et dans les universités qui existent et de tenir compte vraiment des filières qui sont le plus demandées. La préinscription se fait sur les sites www.dorex.edu.ci ou www.dorexci.net. Elle prend fin le 21 juin prochain.
une qui a déjà eu son bac. Des ingénieurs, il y en a beaucoup qui sortent de l'Institut international de l'eau et de l'environnement du Burkina Faso. Degré Marie-Désirée, 15 ans, est la 2000e élève ingénieure qui y fait son entrée. Un âge bien jeune qui lui a valu une pluie de récompenses. Thomas Nguessambi. La 2000e élève de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de ZIE se nomme Begré Abba Marie Désirée. Elle a 15 ans et est la plus jeune élève de l'histoire de l'Institut. Au fait, aux deux jours, les ingénieurs ont une facilité d'insertion sur le marché de l'emploi. De plus, les diplômes sont reconnus par le CAMES, par plusieurs contrées dans l'Europe. Et enfin, DEUZIE est une institut de renommée internationale. C'est pourquoi mon choix s'est porté sur le DEUZIE. Marie-Désirée va bénéficier d'une formation d'ingénieur entrepreneur prise en charge par un établissement bancaire burkinabé. Et les 3 années de son hébergement sont assurées par une entreprise ivoirienne. 27 nationalités sont représentées dans cet institut, dont 26% de filles, avec 30% en première année. Élève excellent, signe d'un enseignement de qualité. La Fédération nationale de l'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce processus. Elle forme alors ses membres au respect du contrat de travail et celui des normes de l'éducation. Thomas Nguessambi. La contribution de l'enseignement privé laïque dans la performance du système éducatif ivoirien. Une préoccupation qui amène la Fédération des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, Fénéplacy, à former ses membres. Cette semaine, la Fédération a convié ses membres à une session de formation sur le respect du contrat de travail et l'instruction sur les obligations d'un fondateur vis-à-vis des exigences de la qualité en matière d'enseignement. Une initiative que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique salue à sa juste valeur. Votre fédération est en phase avec les grandes orientations de la nouvelle vision de l'école ivoirienne. Sans confiance et avec responsabilité, soyez perspicace et productif à souhait, car de la qualité de vos contributions dépendra la redynamisation du partenariat qui nous unit. Pour Marguerite Messoukadio, présidente de la Fénéplacy, la création d'une école peut rimer avec profit, mais il faut avant tout mettre un accent particulier sur l'aspect éducation. Les fondateurs ne sont pas tous des enseignants qui sont déjà préparés à former les élèves. Il y a le minimum qu'ils doivent savoir pour gérer un établissement scolaire. La Fénéplacy, c'est aujourd'hui environ 700 écoles, 25 000 travailleurs et 400 000 élèves. Parlons amour en feuilletant les pages de deux œuvres. Il s'agit d'une femme de mari de Fatou Fanny Cissé et de parenthèses délicieuses d'Esaïe Bitton Koulibaly. Cérémonie de dédicace pour deux auteurs qui parlent le même langage, celui de l'amour et de ses revers. Franck Wadio nous entraîne dans cet univers. L'histoire se raconte allègrement en milieu du repas ou au moyen de satires comiques, mais mise entre les lignes, difficile de s'imaginer une femme de mari. Titre évocateur du dernier roman de Fatou Fanny Cissé. L'auteur ne veut pourtant pas donner dans la provocation. Pour elle, l'œuvre à travers son personnage principal, anti-héroïne circonstancielle, se veut une critique de l'ambition démesurée, surtout lorsqu'elle se joue des sentiments. Je mets en scène une femme qui a deux maris, ce qui n'est pas coutumier, qui n'est pas normal d'ailleurs. Et puis je fais aussi en même temps le procès de la polygamie. Des lignes déjà scrutées par des lectrices et quelques enseignements sur un sujet, la polyandrie, pas forcément dans les mœurs locales. Une femme, deux maris, c'est plutôt l'objectif final, c'est une femme et mari. Parce que finalement une femme... Voilà, c'est mal vu, très mal vu même, surtout dans nos sociétés, je crois partout aussi. Les mœurs portées par la plume, Esaïe Bitton Koulibaly avec parenthèse délicieuse et dans sa logique, l'éloge des élans amoureux. Trois thèmes qui sont le thème de la femme, le thème du pouvoir et le thème de Dieu. Et ces trois thèmes se retrouvent dans la parenthèse délicieuse qui est, évidemment est une histoire qui fait référence à la femme, qui fait... référence aux difficultés que subissent les femmes dans les foyers. La littérature à l'eau de rose, démarche littéraire qui fait son temps, plus de la moitié des ventes des éditeurs sur l'échiquier national y est consacrée.
La littérature à l'eau de rose, une littérature que les femmes aiment bien. Au Mali, le président par intérim, Diom Kounda Traoré, affirme qu'il prendra toutes les dispositions pour que les élections du 28 juillet soient une réalité. Pendant ce temps, la force onusienne pour le Mali se prépare et on assiste aussi au retrait annoncé des troupes tchadiennes du Mali. Un retour triomphal pour ces hommes qui ont combattu les islamistes au nord du pays. Sur son visage, la sérénité semble avoir remplacé la tension provoquée ces derniers jours par des informations faisant état de la tentative de déstabilisation de son régime. Muni de sa désormais légendaire canne, symbole de pouvoir, Idriss Déby Itno parade place de la nation au cœur de N'Djamena. Le chef de l'État tient à rendre personnellement hommage aux hommes qu'il a envoyés en intervention au Mali. C'est un bataillon de 700 soldats accueillis en héros. Tous vos frères et sœurs, réunis ici à la place de la nation, sont fiers de vous et l'histoire retiendra votre héroïque action au Mali. C'est le premier contingent de retour au pays depuis que le Tchad a annoncé le retrait progressif de ses troupes engagées au Mali. Des troupes dont le courage et la détermination ont été appréciés. Les soldats tchadiens ont combattu en première ligne aux côtés des Français dans la Drade des Iforas, où étaient retranchés des groupes djihadistes. Pour le déloger ces bandits, il n'a fallu que la puissance de vos armes. Vous les avez exterminés au prix des sacrifices de vos 30 soldats frères d'armes tombés sur le champ de bataille. Le commandant des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, le général de division Oumar Bikimo, a été décoré. Tout comme le commandant en second, le fils du président Idriss Déby Itno. Mais le travail des soldats tchadiens au Mali n'est pas terminé. Les troupes restées sur place devraient intégrer la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, dont le Tchad espère assurer le commandement. En 2011, en Arabie Saoudite, Lama, 5 ans, a été violé, battu par son père. 4 mois après, le père est libéré parce que dans ce pays, on ne peut pas emprisonner un père parce qu'il a battu sa fille ou violé. Les femmes de ce pays s'insurgent contre cette pratique soutenue par la famille royale. Alors, campagne de sensibilisation pour lutter contre ce fléau, une campagne baptisée « Un nouveau regard ». Le parti de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, vainqueur des élections législatives, est déjà lancement des consultations en vue de former des alliances pour la formation du gouvernement. Nawaz Sharif prône la ligne dure face aux talibans. Après le triomphe de son parti, la Ligue musulmane aux législatives de samedi, Nawaz Sharif a tracé les grands axes de son futur gouvernement. Il hérite d'un pays miné par la corruption, déchiré par les violences communautaires et l'insurrection des talibans. Malgré un scrutin marqué par des attentats et entaché d'irrégularités, Nawaz Sharif estime qu'il s'agit là d'une victoire de la démocratie. Nous avons dû faire face à de nombreuses attaques à travers le pays. Mais cela n'a pas empêché la forte participation que nous avons observée samedi. Surfant pendant la campagne sur la vague d'anti-américanisme, le futur Premier ministre se montre plus pragmatique. Il dit vouloir renforcer les liens avec les États-Unis, premier bailleur de fonds du Pakistan, et qui soupçonne son allié officiel de jouer un double jeu dans la guerre contre le terrorisme. Mais il entend aussi évoquer avec Washington la question sensible des tirs de drones américains contre les talibans dans les zones tribales du Nord-Ouest. Le parti d'Imran Khan, qui a créé la surprise en arrivant en troisième position samedi, avait notamment fait campagne pour l'ouverture de pourparlers avec les talibans et contre les drones qui auraient fait plus de 3500 morts depuis 2004, dont plusieurs centaines de civils. Nawaz Sharif tend également la main à son voisin, proposant d'inviter le Premier ministre indien à sa cérémonie d'entrée en fonction. Il y a des craintes de votre côté, il y a des craintes de notre côté. Nous voulons vraiment aborder cela sérieusement. L'Inde et le Pakistan, tous deux dotés de l'arme nucléaire, se sont livrés 3 guerres depuis leur indépendance. En 1999, lors du dernier mandat de Nawaz Sharif comme Premier ministre, les deux pays s'étaient affrontés lors d'un conflit limité. Sharif avait assuré plus tard que le conflit avait été lancé sans son consentement par le chef des armées d'alors, un certain Pervez Musharraf, qui devait le renverser quelques mois plus tard.
Et puis pour terminer, en France, précisément à Paris, la célébration du sacre du PSG a tourné à l'émeute. Les responsables, les supporters qui ont lancé des jets de projectiles. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI 2. Au revoir.